à tous, bienvenue au Yuka. Donc première journée travaux, première journée nettoyage, mais on va voir ça ensemble, le début d'une belle histoire je pense. Et pour vous recevoir dans les meilleures conditions, je pense qu'on va mettre un bon coup de ménage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc voici l'entrée par la terrasse. Donc on constate quand même qu'il y a quand même une petite floraison qui est déjà sur place. Une terrasse naturellement nettoyée, mais qui est assez au soleil, hein, je veux dire, d'ailleurs on est pas mal aujourd'hui, beau soleil, beau temps, on entend la rivière, les oiseaux qui chantent, le printemps arrive, le printemps est quasiment là. Donc après, pour les fans de ping-pong, on a la table, ça c'est pas un problème, la balançoire est aussi là pour les fans de balançoire naturellement, et le petit bonus, c'est ce fameux hippocampe à ressort que je conseille à tout le monde, qui est une vraie régalade pour les amateurs, bien sûr, de sensations fortes. Alors après, on va rentrer tout de suite dans le restaurant pour voir un petit peu ce qui s'y trame. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du ménage qu'il y a fait. La salle du restaurant, donc voilà, on a un peu tout le mobilier qui traîne, qui est en place, mais pas pour vous accueillir tout de suite. La télévision pour la Coupe du Monde. Allez les Bleus, j'en profite. On a aussi une belle vue sur la rivière. Bon, là, on voit pas forcément avec tout le mobilier, mais voilà, on est là. Ça fera beaucoup de soleil, un peu de sunshine, un peu de chaleur pour l'été. Et le coin bar, bien sûr, avec ce magnifique Yuka qui est aussi ici. À côté, je crois qu'il a un peu mal. On va essayer de le faire ressusciter. Revis Yuka, s'il te plaît. Donc voilà, et après la cuisine. Bon bah la cuisine, il n'y a rien à toucher, hein, je pense qu'elle est parfaite. Tout est rangé, tout est en ordre. Je pense qu'on peut commencer à travailler. Ça va vous donner faim, je suppose. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. Ceux qui ne sont pas à table, bon appétit quand même. Et voilà.